Salut, c'est Léo Lachine Techmaker et aujourd'hui on va casser un mythe. Est-ce que le combo parfait dans un ordinateur est toujours Intel et Nvidia en 2018? Si on remonte quelques années en arrière, on ne jurait que par ça, et dès qu'on voyait du AMD dans une machine, que ce soit au niveau du processeur ou au niveau de la carte graphique, on se disait que c'était forcément cheap. Mais AMD a beaucoup changé ces derniers temps en lançant de nouvelles gammes pour concurrencer toutes les gammes de produits et donc pas seulement les low cost. Celle dont vous avez d'ailleurs déjà entendu parler, j'imagine, c'est Ryzen qui a déjà bien remis à sa place Intel qui commençait à faire vraiment trop brûler les prix. J'en avais d'ailleurs parlé moi-même dans une précédente vidéo. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est tester les plus gros composants chez AMD qu'on peut trouver pour un utilisateur multitâche classique. Autrement dit, quelqu'un qui fait quand même des travaux assez lourds mais qui ne travaille pas chez Pixar. Ce qui veut donc dire que niveau processeur, on va prendre la concurrence du i9 et niveau carte graphique, la concurrence des 80 et 80 Ti. Mais tout ça en restant bien évidemment côté rouge. Les composants que j'ai donc à ma disposition pour ce PC ultra haut de gamme sont un Ryzen Threadripper 2950X, une RX Vega 64, une carte mère Asus ROG Zenith Extreme, une alimentation modulaire Gold 1000 watts de chez Be Quiet, un water cooling 360 mm de chez Be Quiet encore une fois, et jamais 203, au niveau du boîtier ça va être un Dark Base Pro 900 Revision 2. Bref, là, en rajoutant de la mémoire vive et du stockage, on est sur une bécane qui coûte plus de 3000 €. Autrement dit, pas ce qu'on retrouve chez tous les foyers, ça je comprends bien. Rien que la carte mère coûte à elle seule près de 600 €, soit le prix d'une carte graphique haut de gamme de nos jours. Bon, après sur cette dernière, il y a carrément un écran OLED et de quoi mettre 8 barrettes de RAM. J'ai réussi à monter à 80 gigaoctets avec les différentes RAM que j'ai trouvé chez moi. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Bon, vous l'avez bien vu, mais dans cette vidéo, on va vraiment tester le très haut de gamme. Mais pour autant, on va quand même parler de toutes les gammes après, parce que finalement, je pense que c'est ça qui vous intéressera le plus. Car certes, ça vous fera une belle jambe de savoir si c'est le Threadripper ou le i9 qui sera le plus performant, mais si on parle de i5 et de R5 finalement, c'est quoi le meilleur choix? Et pareil pour les cartes graphiques RX. Certes, on va tester Vega ici, mais on va quand même parler de tout ce qui est 470, 480, 570, 580, etc, etc. Bon, pour tester tout ça et pouvoir le comparer à la concurrence, eh bien il va falloir regarder au niveau des performances, mais surtout au niveau du prix. Car oui, en effet, peut-être que telle carte graphique était sortie pour concurrencer telle autre, mais si cette dernière coûte 600 balles de plus, bah ça a pas vraiment de sens. Et vu qu'en tant que consommateur, ce qui nous intéresse finalement le plus, c'est combien on va débourser, eh bien c'est surtout cette composante qu'on va regarder. Aujourd'hui, une Vega 64 se trouve dans les alentours de prix d'une GTX 1080. Alors la GTX 1080, on peut quand même la trouver un peu moins chère. J'ai réussi à trouver 100 € de moins pour une GTX 1080 qu'une Vega 64. C'est quand même quelque chose qu'il faut en prendre en compte et qu'on prendra du coup en compte lors de nos tests. Pour ce qui est du processeur, on est quand même sur un truc qui coûte près de 1000 €. Oui, c'est très cher, mais vous allez voir que les performances suivent. Ici, on va donc comparer ça à un i9-7900X qui coûte lui 1100 €, soit cette fois-ci 100 € de plus que le Ryzen et que celui d'AMD. Bon, dans les deux cas, que ce soit du Intel et Nvidia ou du combo full AMD, vous aurez de très bonnes machines dans tous les cas, mais c'est avec laquelle que vous en aurez le plus pour votre argent. On va donc parler de quelque chose qu'on connaît déjà en premier, le Ryzen. Ici, il fait partie de la seconde génération de Ryzen dont j'avais déjà parlé dans une autre vidéo, puisque Ryzen est quand même tout récent, hein, ça date de 2017. Mais on est sur une catégorie un petit peu différente car on est sur du TR, autrement dit du Threadripper, et donc pas sur du Ryzen 3, 5, 7 comme j'avais déjà pu parler auparavant. Donc dans ce cas-là, logiquement, on va comparer ça à du i9. Ce 2950X possède une fréquence de base de 3,5 GHz avec une fréquence turbo de 4,4 GHz. Alors ça peut paraître très faible, surtout au prix auquel c'est vendu, mais justement sa spécificité c'est pas celle-là, mais c'est son nombre de cœurs qui est de 16, soit 32 cœurs logiques, c'est juste énorme. En comparaison, le i9-7900X qui a une fréquence turbo à peine moins faible de 4,3 GHz ne possède que 12 cœurs. Bon, ça reste pas mal, mais c'est quand même 4 de moins. Alors 16 cœurs, ça peut paraître beaucoup, mais il y a même plus gros qui existe aujourd'hui, comme du 32 cœurs avec le 2990WX. Bon là, très franchement, ça sert vraiment qu'aux gens, encore une fois, qui travaillent chez Pixar, parce que même des logiciels comme Premiere Pro ne gèrent pas le 32 cœurs aujourd'hui. Dépenser près de 2500 € dans un processeur de ce style, là, ça commence à être un petit peu overkill. Bref, sur Cinebench, on peut voir que le processeur Ryzen explose le processeur Intel sur des tests classiques. En revanche, sur du test monocœur, eh bien, le processeur Intel est un petit peu devant que le processeur Ryzen, mais cela que de quelques points. Ce qu'on peut comprendre du coup de ces résultats, eh bien c'est que justement sur du monocœur, le Intel sera plus intéressant et donc du coup dans des configurations plus gaming, vu que justement le fait d'avoir 12 milliards de cœurs ça sert à moins de choses, mais dans des utilisations plus multitâches, eh bien le Ryzen sera toujours plus intéressant étant donné
donné que justement, lorsque tous les cœurs peuvent être utilisés, eh bien il y aura juste plus de performances qui en ressortiront. Et oui, car 4 cœurs physiques, donc 8 cœurs logiques supplémentaires, ça fait beaucoup. Et personnellement, perdre un petit peu de performance dans les jeux pour gagner énormément de performance dans tout le reste, bah le choix est vite fait. Pour ce qui est de la Vega par contre, le résultat est un petit peu plus mitigé malheureusement. Là finalement, les specs qu'on peut voir sur les boîtes, on s'en fiche un peu. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est les résultats lors des benches et les résultats réels lorsqu'on lance des jeux qui vont nous intéresser. Et aussi, combien vont consommer chacune de ces bestioles, parce qu'encore une fois, ça coûte de l'argent. Déjà, au niveau des benches redémarques, on peut voir une certaine différence entre les deux cartes, avec un score d'un peu plus de 7000 pour la Vega 64 et un score près de 7500 pour la GTX 1080. Les deux testés sortis de la boîte, couplés avec le Ryzen Threadripper qu'on a vu plus tôt. Alors oui, on peut retrouver des benches avec des résultats plus proches, avec des processeurs différents. Néanmoins, à chaque fois, la GTX 1080 est un petit peu devant. Et comme je vous l'ai rappelé plus tôt, bah, elle coûte moins cher. C'est un petit problème quand même. Alors clairement, vous aurez absolument aucun problème pour jouer à n'importe quel jeu en ultra, en 1080p, voire en quad HD. Et donc, bah, faire le choix de la carte pourrait se justifier qu'au prix de cette dernière. Mais sauf qu'il y a un second problème. Car oui, le second souci, eh bien, c'est la consommation électrique. J'en ai pas trop parlé au niveau des processeurs car c'est assez équivalent, mais au niveau des cartes graphiques, bah pas trop. Et en effet, c'est quelque chose à prendre en compte parce que plus notre carte consomme, eh bien plus la facture d'électricité à la fin du mois va être salée. Alors peut-être que vous aurez pas besoin d'un radiateur avec une carte qui chauffe plus, mais bon, je suis pas sûr que ce soit vraiment un bon pari sur le temps. Et quand je vous dis que la différence entre les deux cartes est énorme, eh bien rien qu'en regardant les fiches constructeurs, on peut voir que la GTX 1080 est indiquée à 180 watts et la RX Vega à 295. Ouais, c'est quand même 115 de différence. Et en fouillant un peu sur internet, j'ai trouvé des mecs qui arrivaient à pousser carrément la GTX 1080 à 315 watts et la Vega à 460. Autrement dit, il faut vraiment une très grosse alimentation et la facture risque d'être assez élevée si vous la poussez à fond, malheureusement. Aujourd'hui, je vois pas trop de raison honnêtement d'aller vers une Vega 64, en tout cas en regardant la carte telle quelle. Néanmoins, il y a d'autres facteurs qui pourraient rendre la Vega beaucoup plus intéressante et on va en parler un petit peu plus tard. Bon, en définitive, comme vous avez pu le voir, le Threadripper est vraiment un monstre. Et quand on voit le prix auquel il est vendu, eh bien Intel a encore du souci à se faire. C'était d'ailleurs déjà le cas l'année dernière avec l'arrivée de Ryzen où tous les prix des processeurs avaient vraiment chuté. Je me rappelle avoir payé mon i7 6700K plus de 450 balles à l'époque. Eh bien Ryzen avait sorti un équivalent pour deux fois moins cher. J'avais un peu les boules. Aujourd'hui, Intel est devenu beaucoup plus agressif et ça fait vraiment pas de mal au marché. En revanche, concernant la Vega, bah, le bilan n'est pas aussi ferme. Car même si comme on l'a vu, les performances sont à peu près les mêmes, bah, le prix et la consommation, pas du tout. Et puis on a un autre problème à l'horizon, la génération RTX. Actuellement, il n'y a que les 2080 et les 2080 Ti, donc on peut pas vraiment les comparer car c'est absolument pas la même gamme de prix. Mais lorsque les 2070, 2060, etc. vont sortir, est-ce que ces dernières vont pas aussi être plus performantes pour des prix moindres? Pour le moment, c'est que de la spéculation et même AMD va sortir de nouvelles cartes graphiques avec les Polaris 30. Va falloir regarder le marché de prix car on est vraiment sur une période très charnière. Et malheureusement, à part de la spéculation, bon, on peut pas faire grand chose. Mon meilleur conseil finalement, c'est d'attendre Noël pour voir ce que AMD et Nvidia vont sortir en nouvelles cartes graphiques jusque là. Mais bon, bah aujourd'hui, c'est pas vraiment concluant de partir chez AMD pour du haut de gamme. Parce qu'en plus, on a parlé que de la 1080, mais il y a même pas vraiment de concurrent pour la 1080 Ti. Et j'imagine que c'est pour ça que Nvidia se permet carrément de vendre des cartes à 1300€. Et oui, vu qu'il n'y a pas de concurrence, bah il y a personne pour faire une carte aussi bien moins chère. Donc j'espère qu'AMD arrivera à faire quelque chose un jour pour que le marché soit un petit peu plus sympa auprès des consommateurs comme c'est le cas au niveau des processeurs. Il y a tout de même autre chose à prendre en compte lors du choix de votre carte graphique par ailleurs, votre écran. Et oui, car ce dernier peut être FreeSync ou G-Sync. Et ces termes ne sont pas là pour rien car ce sont des technologies qui sont propriétaires. Autrement dit, les premiers fonctionnent avec du AMD et les seconds fonctionnent avec du Nvidia. Le truc c'est que les écrans FreeSync coûtent beaucoup moins cher que les écrans G-Sync aujourd'hui. Et donc si vous voulez faire une config entrée de gamme, eh bien du RX peut être très sympa puisque votre écran vous coûtera aussi moins cher si vous voulez un écran optimisé pour ces cartes graphiques là. Et oui, car c'est vrai qu'on a parlé du très haut de gamme, mais dans les hauts de gamme alors qu'est-ce que ça vaut? Est-ce que AMD est aussi à la ramasse ou est-ce que Ryzen est finalement moins bon en entrée de gamme? Eh bien on va aussi voir ça. Déjà au niveau des cartes graphiques, bah c'est un petit peu plus équilibré. Là on va surtout comparer avec des RX 570 et 580 pour les GTX 1060 3 Go et 6 Go. Mais pour les deux cités précédemment, eh bien ce sont des choix carrément valables parce que les prix sont les mêmes. Mais toujours le même problème, eh bien la consommation est un petit peu plus élevée. Alors on n'est pas au niveau de la Vega 64 qui peut monter à plus de 600 watts, hein, mais quand même ça reste assez significatif malheureusement. Et niveau Ryzen alors, est-ce que l'entrée de gamme est aussi intéressant que le très haut de gamme? Eh bien très franchement oui, pour avoir tourné avec plein de Ryzen 5 et Ryzen 7 un petit peu avant, j'avais clairement une meilleure fluidité sur des logiciels comme Premiere et une meilleure vitesse de rendu aussi. Donc très franchement, même pour de la config plus entrée de gamme, je vous conseillerais d'aller sur du Ryzen. Puisqu'encore une fois, on est sur la même chose. Intel possède une fréquence similaire ou supérieure et donc aussi une meilleure optimisation monocœur. Mais étant donné que les processeurs Ryzen ont souvent beaucoup plus de cœurs
cœur que les processeurs Intel, eh bien pour du multitâche c'est plus intéressant. Autrement dit, si vous partez sur une configuration full gaming, eh bien partez sur du Intel, mais dès que vous voulez faire autre chose, eh bien Ryzen est clairement plus intéressant. Et très franchement, la perte qu'on peut avoir dans les jeux est vraiment minime par rapport à l'apport qu'on peut avoir sur tout le reste. Et d'ailleurs, si vous voulez faire la configuration la moins chère possible, eh bien même là, je pense que Ryzen est plus intéressant, parce qu'en effet, on peut trouver des quad-core Ryzen 3 à 80 balles. Enfin, à ce prix-là, c'est vraiment risible, et du coup, il vous suffit juste de coupler ça à une petite carte graphique, et voilà, vous avez un PC pour faire tourner la plupart des jeux, certes pas en ultra, mais faire tourner la plupart des jeux quand même. Alors oui, certes, on reproche à la plupart des Ryzen de ne pas avoir de carte graphique intégrée, en tout cas pour les modèles qui ne sont pas suivis d'un G, alors que c'est le cas de presque tous les processeurs Intel. Mais très franchement, qui utilise encore les cartes graphiques intégrées de nos PC de nos jours? Je trouve que c'est un composant vraiment très inutile, et autant s'en passer pour avoir une vraie carte graphique dédiée. Tout ça, ce sont des paramètres à prendre en compte, et finalement, il n'y a pas réellement de réponse absolue si Intel ou AMD est meilleur à niveau processeur. Personnellement, je passe toujours sur du Ryzen aujourd'hui, mais il y a encore beaucoup de bonnes raisons d'avoir du Intel. Mais néanmoins, il n'y a plus de bonnes raisons de ne jurer que par Intel. Bref, pour conclure, à mon avis, le meilleur combo qu'on peut faire aujourd'hui, c'est Ryzen et Nvidia. J'ai un peu de mal à me dire de passer totalement côté rouge et de passer sur Vega, alors que je sais pertinemment que ces cartes sont pas forcément les meilleures. Mais néanmoins, j'attends de voir ce que propose le marché par la suite, car il ne faut jamais être derrière une marque à 100%, parce que malheureusement, à faire ça, ça ne crée pas de concurrence, et du coup, les prix augmentent, et en même temps, les performances, pas tant que ça. Donc peut-être que l'année prochaine, eh bien, ma carte graphique sera côté rouge, mais alors mon processeur côté bleu. Ça, on le sait jamais, et c'est pour ça qu'encore une fois, ne soyez pas full fanboy d'une marque, surtout niveau processeur et carte graphique. Surtout que ce qui vous fera choisir votre carte au final, eh bien, c'est le rapport qualité-prix. Et c'est vrai que les cartes graphiques RX ont beaucoup souffert d'une montée de prix à cause du minage de crypto-monnaie. Donc qui sait, peut-être que c'est Nvidia qui aura plus de galères à cause du minage de traçage de rayons l'année prochaine, j'en sais rien. Et vous alors, est-ce que vous seriez capable de passer sur un PC full AMD? Ou alors est-ce que vous avez encore du mal avec cette marque qui commence sans fin à ressortir de la tombe? Eh bien j'attends de savoir quel est votre combo préféré aujourd'hui. Totalement rouge, rouge et vert, rouge et bleu, bref, je mets tous ces choix dans la fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de l'écran. Et bien sûr, n'hésitez pas à argumenter dans les commentaires, sans être trop violent non plus, hein. Je sais que certains en font leur combat de leur vie. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, le pouce bleu de l'amour et de me suivre sur les réseaux sociaux de l'internet que sont Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo un maximum à toutes ces personnes qui pensent qu'AMD est encore en retard par rapport à ses concurrents. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le logo qui vient d'apparaître juste là. C'était Léo, la chaîne Techmaker, et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut!